Non, c'est un sac. Non, 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 non. Sam, salut à tout le monde. Non, ce procès-là, franchement, c'est loin d'être terminé. Franchement, ce procès est loin d'être terminé. Au début, lorsque le capitaine, lui seul, il a parlé, personne ne l'a interrompu. Il a fait croire au monde entier que ce procès du 28 septembre, tout a été préparé. C'est un plan machiavélique du procès Alpha Condé. Il nous a tout dit ici. Mais la famille, depuis qu'on pose la question, moi-même j'ai eu une femme. Parce que franchement, Djenne Kaba, Kaba, il faut la tirer chapeau. Yep. Yeah. Dadis dit qu'il va pas parler. Mais Grâce à maître et Kaba... Djené plutôt... Dadis, Dadis commence à parler maintenant... Hein? Jusqu'à présent... Nous on ne voit pas... Où le nom du professeur Fakonde est cité... Dedans, dans l'affaire là... C'est là-bas notre problème... On dit 28 septembre... Tu montes, tu descends... Lui... Le ruseur... Le plan machiavélique... Le professeur Fakonde... Il est méchant, l'érudit, les l'érudit. Les même, les, même, même les avocats de Dadis, c'est vraiment de la comédie. Eux, ils ont posé des questions ici à Tumba. Tu buvais, tu faisais ça. Tu... Vous voyez comment les gens-là sont bizarres Quel genre de questions Tumba n'a pas répondu ici vous avez posé des questions ici à Tumba. Tu bois des questions qui n'est même pas en rapport avec le procès du 28 septembre. Vous avez posé ces questions-là aux autres ici. Au Tchogoro, autant d'autres. Vous avez même. Qu'est-ce que Général Balde avait à voir On dit Général Balde, nageur, tout sale. On a posé ces questions-là ici. À Marcel, on a demandé. Général Balde. Tout ça, ça a été posé ici. Personne ne s'est fâché. Même Tumba, même ton nom. Quand tu étais le bagarreur. Ça, c'est les avocats de Dadis. Dadis a chaud. Non, Dadis a chaud. Vous, vous avez posé ces questions-là ici. Vous avez tout posé sur les autres. Les avocats de Dadis. On va vous rappeler un peu vos questionnaires bêtes-bêtes. Vous avez tout dit ici. Toumba! Le nom, ça veut dire grand bagarreur Tumba n'a rien dit, Toumba vous a répondu ici. Vous avez posé aux autres, eux, ils n'ont rien dit. <laughs> Maintenant, on pose question. C'est les avocats, c'est les défenseurs de Dadis. Non, non, non. On, les questions qui sont en rapport, vous vous êtes allé demander à il boit tout ça. Qui n'a rien à voir avec ça. Dadis est venu ici, on dit procès du 28 septembre. Il a pris le nom du procès Alpha C'est devenu chanson dans sa bouche. Oh, c'est un plan machiavélique. Oh, ils ont préparé. D euh, Dadis, c'est quoi qu'on a été Ils ont préparé. Tiens, vous aussi arrêtez de nous fatiguer. Vous avez posé vos questions. Maintenant, Maître Yomba n'est pas encore venu d'abord. Maître Yomba dit qu'il espère que Dadis ne va pas s'évanouir. Une femme, une femme te pose question, tu as problème à répondre. Il veut crier sur Maître Genesis. <laughs> Maître Yomba, alors ce jour-là, ça va chauffer. Hey, alors avec Maître Yomba, <laughs> ce jour-là, Dadis, il faut te préparer. Il faut bien te reposer. Quand Maître Yomba arrive, il faut te reposer. Il faut dire, non, tu, tu ne te sens pas bien. Parce que les questionnaires, ça va tomber. Dadis, les questionnaires, tu vas, tu vas dire aux Guinéens comment le professeur Fakonde est impliqué dans l'affaire-là. Lui, il vient s'asseoir comme ça, parler dans le vide. Ah, le, oui, c'est un plan Machiavelli. C'est lui-là qui a gagné en 2010. Ça, ça a quoi avec le procès du 28 septembre Votre client est, est venu ici, parler ici des élections. Ça, ça a quoi à voir avec le, le procès du 28 septembre Ça, c'était après le 28 septembre. Mais lui, il est venu s'asseoir ici pour mélanger les gens, pour mettre en mal les gens de l'UFDG et du RPG. Connant, c'est lui-là, dit. oui, il avait... Non mais Dadis. Non, mais Dadis, il fait rire. Wallahi. Le procès là. Non, 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 non. C'est du cinéma. C'est du vrai cinéma. Même si tu ne veux pas regarder, tu vas regarder. Même si tu ne veux pas regarder. Hein? Vous avez posé autant de questions. Dadis est sorti dans le contexte du 28 septembre. Il allait accuser le président Alpha Condé. Personne n'a dit là-bas que non, 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 tu es sorti du contest. Hein? mais c'est grave. Hein? Franchement, euh, je demande au supporter de Dadis de vous ressaisir. Pardonnez, ressaisissez-vous. Dadis est mal barré. Vous avez vu l'une des dernières questions, on lui a demandé s'il avait été à Bambeto avant d'aller à l'Abbé. Il dit, je ne réponds pas à cette question. L'avocat dit, il y a des vidéos, il y a des preuves. Dadis a répondu vite à la question, sans qu'on le dise même, il faut répondre. Hein? Le maître a posé, il dit, vous avez été à Bambé te voir, les religieux, les sages, avant de partir à l'abbé. Il dit, je ne réponds pas à cette question. Et après, quand on a dit qu'il y a des preuves, il y a des preuves, Dadis a commencé à parler. Hein, Dadis Dadis, pardon, il faut regarder, parce que... Ceux qui ont suivi Dadis à l'époque, il a dit que lui ne regarde pas les interne il ne regarde pas l'Internet. Hein. Peut-être que ça c'est un problème pour Dadis. Dadis a oublié les propos qu'il a tenus avant. Il faudrait que les avocats de Dadis, les fanatiques de Dadis, commencent à dire à Dadis de regarder ces, ces shows d'avant là, Dadis show même ici à New York, ici aux États Unis. Après le journal Palais, il y a des gens qui mettaient ça sur des CD. Tout ça, ça est là. Si toi, tu dis que non, 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 ne prenez pas les propos de YouTube ou bien quoi, quoi, ici, c'est devant le procureur. <laughs> eh, non. Et pourtant, Dadis, quand il parle, vous n'avez pas de preuves, je n'ai pas donné de preuves à quelqu'un. Et aujourd'hui encore, il nous fait croire que. Ah eh, non, mais Dadis, c'est bizarre. Il dit que lui, son pouvoir, il partageait le pouvoir avec ce combat qu'on a fait. Et pourtant, encore lui-même, il disait que personne ne pouvait contrôler cette armée, sauf lui. Eh, Dadis, nous, on ne, te, on ne comprend rien. Tu dis que tu as partagé le pouvoir avec Sekouba Konate. Tu nous dis encore que personne ne pouvait contrôler cette armée, qu'à part toi. Rappelez-moi les propos de Dadis, c'est tellement trop contradictoire, c'est trop. Tu disais qu'aucune force ne pouvait faire un coup d'État. Avec, c'est-à-dire les pivis étaient derrière toi. Dadis. Comment est-ce que PV était là? Les Chogros étaient là. Toi, Toumba a tiré sur toi, tout le monde a fui. Ils ont même traité le général, euh, général de, de plongeur, tout ça. Dadis. Tous les pivis tous les là. Ta garde là était là. Hein? Ta garde là était là. Tout ceci était là. Mais ils ont tiré sur toi quand même. Et tout le monde a fui, Dadis. Pardon, il faut te calmer. Pardon, il faut te calmer. Parce que toi-même, tu, tu es en train de dédouaner Toumba. Tu dis que Toumba ne pouvait pas faire. Personne ne pouvait faire de coup d'État. Parce que Pivi, tous ces gens étaient là. C'est que Dadis n'était même pas président. L'ordre n'a été donné à personne. Toi, tu étais là pour la forme. Tantôt, tu dis que tu as partagé le pouvoir avec ce Kuba. Franchement, non, franchement, Dadis, à un moment donné, il faut arrêter, pardon, il faut te ressaisir. Tout ce que Dadis, tu pouvais faire dans ce procès qui allait te sauver, c'était de dire, vraiment, vous regrettez de cette tragédie, ce qui est arrivé. C'était sous ton commandement que c'est arrivé. Indépendamment de ta volonté, tu demandes pardon, tu t'inclines, tu demandes pardon au peuple de Guinée. Et ce pardon allait être accepté par les Guinéens. Et tu t'en remets à la justice. Même si on te condamnait, le prochain président, c'est le peuple même qui allait demander que vous soyez gracié. L'affaire-là était finie. Au lieu de nous envoyer au nord, au lieu de nous envoyer sur Mars, au lieu de nous envoyer sur Jupiter, c'était de d'abord demander pardon. C'est sous ton autorité que cette tragédie est arrivée. Là, même le peuple de Guinée, tu n'avais même pas besoin de convaincre au lieu de venir dire a Konate, son adjoint c'est un Peul, ça sert à quoi? J'ai été à l'abbé pour saluer mes parents Peul. C'est pas l'ethnie. La Guinée, Dadis, ressaisis-toi. Tu pars trop sur le terrain ethnique. Oh, c'était pour aller dire à mes parents du Fouta. Nous sommes tous. Ceci, cela. Non, Dadis. Quand on est à la tête d'un pays, on est là pour tout le monde. On est là pour tout le monde. Pourquoi tu es. Tu es la capitale c'est en bascotte. Le pouvoir c'est s'en bascote. Pourquoi vous n'avez pas été à Bokeh? Pourquoi vous n'avez pas été à Boko ou à Kindia? Pourquoi vous n'avez pas été à Kindia? Dadis. Pourquoi vous n'avez pas été à Kindia? Donc uh, franchement, essaye de te ressaisir. Essaye de te ressaisir. Pardon, Dadis. Nous tous qu'on te demande Enlève le nom de Fakonde. Pardon. Combien d'années? Plus de 10 ans. Hein? Je dirais même 13 ans au Burkina. L'arrivée du procès Alpha Condé. 50 000 dollars chaque trimestre. Ça fait plus de 16 mille dollars. Ne serait-ce que ça seulement. Respecte le procès Alpha Conde. Le décès de ta maman. Prendre un avion, autoriser ton arrivée pour assister aux funérailles de ta maman, ou à l'enterrement de ta maman. La 10 ne serait-ce que ça, respecte le procès de Fakonde. Ton concurrent, ce n'était pas le procès de Fakonde. Toumba n'était pas le procès Fakonde. Le général Sekouba Konate n'était pas le procès Un peu de respect. Un peu de respect. Tu accuses, oh, les opposants, mais tu ne dis que le nom du procès de seul. Il y a eu un comité d'organisation, Baouri était le président du comité d'organisation. Mais tu es là à mélanger tout Oh, il a manipulé tout le monde. Pas de preuve. Tu descends, tu montes, il n'y a pas de preuve. Le professeur était ici aux États-Unis. Sekouba Konate était en forêt. Vous étiez les seuls là-bas, dans la capitale. Vous étiez le président. Ton rôle, c'était quoi OK, la manifestation a eu lieu. Sécuriser, c'était ça l'ordre que tu devais donner. Est-ce que ça, c'est le professeur Al Fakonde qui devait donner l'ordre là Est-ce que c'est le général Sekouba Konate qui devait donner l'ordre Pour dire toi, tu sais déjà l'ampleur. Et vous avez même dit, prémédité, dire certaines choses. Il faut te ressaisir, pardon. J'ai dit, c'est toi qui es en train de te fatiguer. La seule chose que tu avais à faire, c'était de demander pardon. Cette tragédie, c'est sous ton autorité. Tu n'as pas donné, mais c'est vous qui avez nommé ces gens. Le pardon était accepté. Tu n'avais même pas besoin de trop parler. De rentrer, oh Jupiter, oh c'est rentré, c'est comme si. Vous-même, vous avez parlé de Laurent, Laurent Gbabo. Ça n'a rien à voir avec 28 septembre. Mais quand on vous pose des questions, toi on te pose, non, ça n'a rien à voir avec le procès du 28 septembre, je ne réponds pas. Mais quand il s'agit de convaincre, toi tu vas jusqu'à planète Jupiter, tu reviens, tu redescends. Tu pars en Côte d'Ivoire, tu reviens. Tu pars en Égypte, Ramsès, tu reviens encore en Guinée, personne ne parle. Mais quand les autres veulent se défendre, quand ils essayent de parler, mais tu essaies de tout mélanger, il faut te ressaisir quand même, pardon. Il faut te ressaisir. Bon, la famille, moi, en tout cas, le procès, ça devient intéressant. En tant qu'un général, voilà, je crois que celle qui a bien coincé d'adis aujourd'hui, c'est elle seule qui peut me maîtriser. Hein. C'est elle seule qui peut me maîtriser. Voilà, il y a femme dans femme. Hein? Procureur à son âge. Ah non, celle-là, elle est forte. Hein. Elle est vraiment forte. Maître Djené, si c'est Awa, si elle n'est pas mariée, go. je dis bien, si elle n'est pas mariée. Awa, le peuple de Guinée, j'ai posé ma candidature, go. Si elle n'est pas mariée. Non. Elle est calée vraiment. Oui. Elle est calée, cette dame. Mm -mm. Et ce qui choquait Dadis, c'est de voir une femme en face de lui. Mm -mm. Elle a fait parler. Parce que Dadis ne voulait pas parler. Mais celle-là... Elle, elle a fait parler d'Adis. Mm -hmm. Maître Genne, elle a fait parler d'Adis. Oui. Je vois des gens qui sont là-bas. viennent parler. Les patois. Oh, beauté. Est-ce que qu'est-ce qu'elle a voit? Elle est très belle. Très belle. Voilà. La justice, là, c'est l'intelligence. Tout le monde a vu ça, l'intelligence. Mais je vois des gens là-bas, des Grecs. Au lieu de, c'est-à-dire, dire la véracité de la dame, non. Oh, beauté, c'est rentré, c'est sorti. Vous allez comprendre. Si c'est beauté là, vous allez bien comprendre. Gou depuis quand, Gori se moque du chat Depuis quand le Gori se moque du chat Depuis quand Awa. Kabako. Hein Gori peut dire je suis gros que le chat. Mais depuis quand le Gori se moque du chat de beauté. Depuis quand? Eh, quand même, arrêtez ça! Hey. Ah ouais. Tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi. Mais allez-y regardez. À son âge, elle est procureure. Ça, on doit des chapeaux. Bravo à la jeune féminine. Elle, franchement, elle, elle n'a pas mis de l'eau glacée sur sa tête. Hein? Elle, elle n'a pas passé son temps à avaria. Elle, c'est ça. Procureur à son âge. Franchement, c'est à féliciter. Au lieu de venir mettre des commentaires bidons là-bas. Hein? Qu'elle n'est pas belle. Et depuis quand Goury se moque du chat? Depuis quand? Depuis quand? Laissez ma, ma femme tranquille. Un général comme ça, c'est femme comme ça qui peut me maîtriser. Sinon. Non, non, non. En tout cas, moi, je tire chapeau. Je tire chapeau à cette dame. Oui parmi autant d'hommes là-bas. Hein Tant d'hommes. Elle a tenu bon. Très bon. Parce que des questions qu'elle posait, Dadis, c'était trop fort. C'était fort. On dit, quels sont les actes démocratiques que tu as posés Toi, tu es là toujours à parler de victoire de Selou J'ai fait ça. Nanani nanana. Mais on t'a demandé, quels sont les actes Est-ce que... Tu as été. Tu as vite parlé des élections. Tu as mis des comités d'organisation en place. Ça, même, c'était une question que Dadis devait d'abord aimer. Quels sont les actes allant dans la démocratie que vous avez posés C'est la même question qu'on va poser à dit Aujourd'hui, lui, il est en train de tout gâter. Un président, on te pose une très belle question comme ça quels sont les actes que vous avez posés Allant dans le sens de la démocratie. Tout le combat, c'est la démocratie. Mais vous allez dire que ça là, la question là, ça n'est pas en rapport avec le 28 septembre. S'il y a des gens qui n'avaient pas dit Dadis ou rien, Dadis faut rester. Lui-même, il a dit ça aujourd'hui. Et la partie là, j'ai bien aimé. <laughs> Dadis dit que c'est des démagogues. <laughs> Et tous ceux qui sont en train de dire, là il m'a dit, il faut rester. Là il m'a dit, itanambe, <laughs> moi je suis impatient. J'attends le procès de là, il m'a dit. Tous les escrocs là, les, les mandjas, tous ces escrocs qui sont là, qu'on est en train de. Hein? Qu'on est en train de faire ceci, cela. Eh? Moi je vois des gens là-bas qui vont mettre des commentaires que non, la dame, elle n'est pas eh, 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 brillante. Elle a coincé Dadis, Dadis dit aujourd'hui. Euh, <laughs> la, mort Et <laughs> là, la mort du décès. ça veut dire quoi encore? Expliquez-nous. Expliquez-nous. Celle qui n'est pas brillante là, mais a poussé d'adis aujourd'hui. La mort du décès. Ça veut dire quoi? Expliquez-moi le français là. Moi je ne comprends pas. La mort du décès. C'est quand quelqu'un est embrouillé là. C'est-à-dire quand on te pose question, tu es embrouillé, tu vas dire de n'importe quoi. Celle qui n'est pas brillante là, mais elle a pu poser ça aujourd'hui. Coincé d'adis que la mort du décès expliquez-nous, ça veut dire quoi La mort du décès. Moi, je n'ai rien compris. Si c'est Maître Djené qui était coincé, ou si c'est Dadis qui était coincé, la dernière fois, ils ont coincé Dadis. Dadis nous dit, mes veines coulent dans mon sang. Il a été coincé la dernière fois. Mes veines coulent dans mon sang. Jenner est venu le coincer aujourd'hui encore. Le décès de la mort, ça veut dire quoi Moi, Dadis, peut-être c'est un philosophe. Hein. Dadis, c'est un philosophe. Parce qu'il a dit ici, la balle que Toumba a mise dans sa tête, là, ça l'a rendu encore plus intelligent. Peut-être que l'intelligence de Dadis nous dépasse. On ne comprend pas. Nous ne l'en voulons pas. Hein. Dadis est très intelligent. Il a dit à tout le monde. Il dit que la balle, là, ça l'a rendu très intelligent. Peut-être qu'il dit les mots. Nous, on ne comprend pas. On dit qu'il est fou. Il n'est pas fou, go. Dadis, c'est ce qu'il est en train de dire. Les veines coulent dans mon sang. Et la mort du décès, c'est Dadis qui nous a appris ça. Et il nous a dit encore, que la balle qui a été tirée sur sa tête, ça l'a rendu encore très intelligent. Donc, ça dadis de nous expliquer tout ça, comme il, a, il est en train d'accuser le procès Alpha Condé, que c'est un, un plan machiavélique, peut-être qu'il va venir nous expliquer de A à Z comment le procès Alpha Condé est impliqué dans ce procès. C'est dadis. Donc, son euh, dadis, il va nous expliquer très bien, parce que, <laughs> il dit qu'il est intelligent, go. Voilà. Seulement, ils n'ont pas laissé Dadis continuer ses cours de droit. Moi, je pensais qu'il était 13 ans. Dadis, il y a des écoles de droit au Burkina. Dadis pouvait profiter pendant 13 ans. Il pouvait finir là-bas. Il n'était pas empêché au Burkina. Mais Dadis pouvait faire sa formation de droit au Burkina. Bon. Sinon, au Burkina, il était invité d'honneur, tout ça. Il pouvait suivre des cours en ligne. Pour faire sa formation. D'abord, on lui donnait 50 000 dollars. Je dis bien, 50 000 dollars chaque trimestre. Chaque trois mois. Dadis avait 200 000 dollars dans l'année, grâce au procès Alpha Condé. Quand je vois des gens parler de n'importe quoi du procès Alpha Condé, demandez à Dadis. Quand Dadis vient s'asseoir, c'est grâce au Burkinabé, personne. 200 000, oui. L'État guinéen donnait ça à Dadis. Ce n'est pas l'argent du procès Alpha Condé, mais l'argent du contribuable guinéen. 200 000 dollars par an, 50 000 par trimestre. Moi-même, je dis eh, 200 000, 400 000 même, c'est plus que ça. Parce que 50 000, chaque 6 mois, ça fait 100 000. Donc, Dadis vient s'asseoir devant nous, il dit que non, personne... Aucun Guinéen n'a fait ça. Il dit, c'est Boubou qu'il porte. Il dit, c'est le Burkinabé. Oui, c'est le Burkinabé qui ont cousu. Mais l'argent là, ce n'est pas cadeau. L'argent des contribuables. Il a dit, pardon, il faut te ressaisir. Au moment que tu étais aux commandes là, tu pouvais parler tout dire. Dire au Patienko, tais-toi, il faut t'asseoir ici. Tu es démis de tes fonctions. Les démagogues, Premier ministre, il se prend pour qui Dadis, on a dépassé ça. Tu es face à la justice. C'est Maître Jacqueté qui commande là-bas. C'est Maître Jacqueté qui commande. Ce n'est pas Maître Pépé, ton avocat. C'est Maître Jacqueté. Tout ce que tu dis là. Quand on dit chaque fois, la cour appréciera. Quand on dit, il ne faut pas parler là. La cour appréciera. Tu penses que c'est cadeau Il faut demander à tes avocats, ils vont te dire. Hein? Quand on dit chaque fois, la cour appréciera. Il faut demander, ça veut dire quoi ça dit, on te pose question, tu refuses de parler. Demain, là, ça va te rattraper. On t'a posé, tu as refusé de parler. On va te condamner à partir de ça. On dit, il faut répondre. Non, je ne parle pas. D'ailleurs, même Dadis, au lieu de dire, je n'ai pas de réponse, il dit, je n'ai pas de question. <laughs> ah, alors, <laughs> non, Maître Jenner, la dame, là, c'est une dame de choc. Hé, hey. non, mais elle a secoué Dadis. Hé. Ah. Hey. En tout cas, heureusement que Dadis, il y a une dame qui est venue du Burkina pour défendre Dadis. Ah ouais, femme, <coughs> procureur euh, euh, de la Guinée et procureur du Burkina Faso, ça va chauffer dans l'affaire là. Il hey. y a une dame qui avait parlé, non mmh. On n'a rien dit. Il y, y a procureur aussi, femme, en Guinée là. Hey. Ah ouais, ça va chauffer. C'est la fin du film, non, on attend. Là, on ne va pas dire que non, c'est garçon. Enfin, hein? C'est les hommes contre les femmes. Ça là, c'est Mousseau contre Mousseau, cette facile là. Darius, en tout cas, ça va chauffer. L'affaire, ça va chauffer. Ça va beaucoup chauffer. Bon, je vais terminer avec euh, les militaires guinéens. Je vous ai dit que Idi Amin, il vous a mis dans l'eau. L'affaire de ravitaillement de riz, moi, je vous ai expliqué ça ici plusieurs fois. Lorsque Idi Amin est venu avec son équation ici, là, que, que c'est pour vous aider et c'est pour mettre plus d'argent dans vos poches, la différence du prix de riz qu'on vous donne, je crois, c'est 200 000, 200 et quelques. Ça ne dépasse pas 240 000. Mais aujourd'hui, le prix du sac de riz, c'est combien sur le marché Je vous avais dit que c'était ce qu'ont dit les Ivoiriens en angoplan, c'était pour vous tromper. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient que. Tout allait devenir cher. Donc, pour ne pas pouvoir payer la différence, ils vous ont dit non, qu'ils vont vous donner l'argent. Sinon, personne ne le fait. Si l'État savait qu'il pouvait acheter le riz en Thaïlande ou bien en Chine à, 200, à 150 mille, ils ne vont pas vous donner 200 000. C'est parce qu'eux-mêmes, ils savaient que les choses allaient être difficiles, qu'ils ne pouvaient pas maîtriser l'inflation sur le marché. C'est pourquoi ils vous ont proposé 200 et quelques mille. Aujourd'hui, le prix du riz, c'est plus de 300 mille. Si, si vraiment la différence sur le marché, l'argent qu'on vous donne, les 240 000 ou 225 000, si le sac de riz était à 200 000, l'équation de Idiamine était à votre faveur. Mais ils vous ont trompé, ils ont joué avec votre intelligence. Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer. Et ils vous disent que vous avez accepté. Moi, je vous ai dit, ceux-là, c'est des vrais marmailleurs. Les idiamines, tous ces gens qui vous dirigent là. Aujourd'hui, vous avez vu la différence. Vous êtes obligés aujourd'hui de mettre plus sur l'argent que eux ils vous donnaient. Ce n'était pas mieux de prendre le sac de riz. Ce n'était pas mieux de prendre le sac de riz. Ou bien, si vous prenez le sac de riz, ça se vend à 300 000. Vous voulez vendre votre sac de riz. Vous, 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 vous pouvez vendre ça à 280 000. Faire. Un profit de 40 000 ou de 50 000. Mais comme c'est des bandits, je vous ai dit, c'est des incompétents. Ils ne peuvent pas vous payer. C'est pourquoi ils vous ont fait ce jeu-là. Vous êtes les gros perdants. Ce sont les narcos qui se trouvent derrière. Là, il m'a dit aujourd'hui qui se font des milliards. Les Papa Fofana, les Ahmed Durak, les Bill Condé, les, les Kalo, les Ousmane Dumbuya, les Djiba. Voici tous ces gens-là. Voilà, on dit. 350 000 de sacs de riz. Vous, on vous donne 200 et quelques mille. Donc, vous voyez la différence. Le militaire qui va acheter le sac de riz pour sa famille, vous êtes obligé aujourd'hui de prendre encore l'argent dans votre paye pour augmenter pour le sac de riz. Et ce n'était pas mieux qu'on vous donne les sacs de riz. Je vous ai dit, ces gens, c'est des tonneaux vides. Ils sont venus pour vous faire souffrir. Vous n'avez rien vu d'abord. Vous allez donner raison aux anciens. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, et je vous ai dit les sacs de riz, les sacs de riz là, ça aidait la population guinéenne. Ça ça dit, ça luttait contre la pauvreté. Je vous ai parlé de beaucoup de commandants. Les sacs Barbara, comment on dit ça, euh, barabara qu'on donne, c'est pas tout le monde qui mange. Quelqu'un qui est commandant ou général comme nous là, on peut pas. Bon, voilà, on mange pas barabara, mais on pouvait donner ça aux à d'autres guinéens. Ça aidait, ça luttait contre la pauvreté. Maintenant, ils ont arrêté ça.